Kobe, bonjour. Chica, bonjour. Chikube, peux-tu m'inviter à m'asseoir? Non, je ne peux pas. C'est trop tôt. Ne peux-tu pas voir que je suis en train de me préparer pour ma journée? Chikube, je suis venu te voir. Chica, il est trop tôt pour commencer ces draps. Je vais aller à la chasse. Peux-tu juste partir? Chikube, pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Pourquoi est-ce que tu me fais du mal? Chikube, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans une femme que tu recherches que moi je n'ai pas. Chikube, essaye un peu de mieux me regarder, hein? Chica, je ne suis pas intéressé par tes histoires d'amour. En fait, je ne suis pas de bonne humeur. Est-ce que tu peux juste... Pardon, il est trop tôt pour ça. Chikube... Est-ce que tu ne me trouves vraiment pas intéressante? Aïe. Ok, très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux au juste? Dis-le-moi et je te le donne en double. Tu n'as pas à faire semblant. Dis-le-moi juste et je vais te satisfaire. Chikube, je t'en prie, non? Écoute, je te l'ai dit mille et une fois. Que je suis pas intéressé par ces histoires d'amour. Essaie de comprendre. Je dois me concentrer, non, s'il te plaît. Mais Chikube... Reste là. Recule. Mais Chikube, qu'est-ce qu'il y a, non? Reste là, ne t'approche pas de moi. Écoute, je ne fais pas semblant, comprends-moi. Je ne suis pas intéressé par ça. Hein? Je ne ressens rien pour toi. Laisse-moi vivre, non? Chikube, je t'en prie, non? Hein? Est-ce qu'on peut un jour parler sans que tu ramènes ça à la chasse? Tout ça n'a rien à voir avec la chasse. Il est question de nous. Nous? Toi et qui? Non, nous. Toi et qui, nous? Hein? Chica, écoute, ne m'énerve pas ce matin. Mon message est simple, je ne suis pas intéressé par ton amour. Juste pars. Oui, mais moi je veux pas arrêter de te déranger, hein. Je ne vais pas m'effacer ce matin, va-t'en. Mon ami, vas-tu t'en aller de cet endroit? Bêtise. Elle veut me parler de l'amour. En plus, elle dit non. Donc c'est ça ton habitude, aller envoûter les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air mécontente. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Ah, femme, je t'ai déjà défendu de m'appeler mon amour. Je ne suis pas ton amour, tu m'as entendu? Mais je t'aime beaucoup. Je vais t'épouser. Juste donne-moi la chance de vivre avec toi. Ah, femme, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai une tonne de choses à faire en ce moment. Alors, laisse-moi tranquille. Mais je ne te laisserai pas comme ça. Je t'aime tellement. Pourquoi ne me donnes-tu pas la chance d'entrer dans ton cœur? S'il te plaît. Mais malheureusement, mon cœur appartient à une autre personne. Hein? Eh oui. Ton cœur appartient à quelqu'un d'autre? Et qui est ce quelqu'un? Mon ami Chekoubé? Oui, tu le sais très bien. Ne fais pas comme si tu l'ignorais. Chica, ne me dis pas que tu t'adonnes à un homme qui ne t'aime pas du tout. Non, ne me dis pas ça. Chikube ne t'aime pas. Et jamais il ne t'aimera. Il ne t'aimera jamais. Et comment est-ce que tu le sais? Chikube est mon ami intime. Et on fait des discussions ensemble. Il n'a pas de secret pour moi. Et moi non plus, c'est mon ami. Hein? Chikube n'a montré de l'intérêt pour aucune femme. L'amour que tu cherches, c'est pour des gens comme nous. Juste donne-moi une chance et tu verras que ça marchera. Afam, tu sais quoi? Et moi non plus, je ne t'aime pas. Et jamais je le pourrai. Hein? Mon cœur est à Chikube. Et je continuerai de l'aimer et de l'attendre. Jusqu'à ce qu'il ait des raisons pour m'aimer en retour.
Alors, garde cet amour pour toi-même. Hein? Amour, mon œil. Et? Chica! Chica! Regarde cette fille. Ma princesse, mes salutations. Salut, les grands chasseurs des Amao Zouzou. Comment s'est passée ta chasse aujourd'hui? Comme tu peux le voir, les dieux m'ont béni comme d'habitude. Ma princesse, à quoi est-ce que je dois cette visite inattendue? Bien, je suis venue saluer les grands chasseurs du royaume d'Amao Zouzou. Ma princesse, si tu as besoin de la viande de la forêt, juste dis-moi, je vais te l'amener au palais. Tu n'es pas censé te déranger en venant dans mon humble demeure. Ça ne sera pas bon de ma part si je ne considère pas que tu es très fatigué. Laisse-moi t'aider. Hein? Oui. Non, ma princesse, ceci va... Ça va te salir. Tu ne peux pas me dire non. Donne, allons chez toi. Non, princesse. Tu ne peux pas faire ça. J'insiste. Maman. D'où viens-tu comme ça? Parfait. D'où viens-tu? Salut, maman. Tu ne réponds pas toujours à ma question. D'où viens-tu comme ça, sans tes gardes? Maman, pourquoi suis-je toujours contrôlée? Je vis comme si je suis liée. Tu ne m'as pas toujours répondu. Je suis allée voir une amie. Un ami, tu as dit? Oui, maman. Sans tes gardes? Maman, je ne peux pas toujours aller avec mes gardes. Je veux aussi être seule. D'ailleurs, je suis passée avec mes servantes. Tu es la princesse du royaume d'Amao Zouzou. Tu l'as oublié? L'unique fille de Ogwaro Pété. Tu es de la royauté adorée. Une princesse ne voudra pas vivre comme dans une prison, maman. Personne ne te rend captive ici. De plus, tu n'es pas non plus une esclave. Tu dois juste apprendre à sortir avec les gardes pour des raisons de sécurité. Oh oui! Et si ton père apprend que tu t'es sortie sans tes gardes, tu me créeras des problèmes. S'il te plaît, que cela ne se répète plus encore la prochaine fois. Est-ce que tu m'entends? Oui, maman. Tu peux partir. Chikoube, es-tu en train de dire que Princesse Adoule, la fille unique du Igwe Apene, était venu te rendre visite ici? Je sais que tu ne vas pas croire, mais c'est la vérité. Ah bon? Elle était venue. Moi, je crois. Mais je suis surpris. Moi aussi, j'étais surpris. Pour les raccourcir, elle a dit qu'elle était seulement venue pour me saluer. Saluer. Hein? Hey! Les dieux sont de ton côté, mon cher. Les dieux sont de ton côté.
Comment? Tu ne suspectes rien du tout. Comme quoi? La princesse est amoureuse de toi. Hein? Non. La princesse en train de tomber amoureuse de moi? Non. Comment une princesse peut tomber amoureuse d'un simple chasseur? Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ça ne concerne pas ton état. Ce qui compte est que tu es le meilleur chasseur dans le royaume d'Amaosus. Tu es le meilleur chasseur de ce royaume. Écoute, plusieurs filles de ce village peuvent même se donner la mort juste pour t'approcher. Les autres filles, je sais, mais la princesse, je doute. Une autre chose, s'il te plaît. Je ne veux que personne d'autre entende à propos de ça, alors que ça reste entre nous. Si tu dis ainsi, ce n'est pas du tout un problème. La seule condition est que tu vois, aussi longtemps que tu me donnes, tu vois, c'est Miss Unyamalonga Boy. Chaque jour, en fait, le matin et le soir, tu me donnes la viande. Je garderai ça. Tu, tu es malade. Quoi de plus normal? La nourriture, bien sûr. Les yeux de Dieu, je te salue. Je te salue aussi. Un adage dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. De ce fait, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici, dans mon humble demeure, cette nuit? Sage, je t'apporte les salutations de notre roi, le roi Apiti Premier de Amaosuzu. Je le salue aussi. Le dernier festival des Inyam a été célébré il y a cela 2 semaines. Et le prochain festival des Amaosuzu, celui de Ebwaramara, approche à grands pas. Nous savons que c'est les dieux qui choisissent la date pour le festival. Alors notre roi, roi Apiti, m'a envoyé vers toi pour demander aux dieux la date qu'ils ont choisie pour le festival. Igo Apiti a bien fait. Que son règne soit long. Il sait... Comme tu le sais, je ne suis que le porte-parole des dieux. Je dis ce qu'il me demande de dire. De se faire rendre chez Igo Apiti. Dis-lui que je vais consulter les dieux immédiatement. Et quoi qu'ils disent, avant le coucher du soleil demain, je retournerai vers lui. Homme sage, j'ai entendu ce que tu as dit. Je vais délivrer ton message auprès de Igwe, comme tu as dit. Que les dieux soient loués. Il sait... Ma princesse, je te salue. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. S'il te plaît, assieds-toi. Tu es la bienvenue, ma princesse. Merci. Uju? Oui, ma princesse. Laissez-nous. À vos ordres. Mm.
Tu es vraiment fort. Étant donné que tu restes ici seul. Ma princesse, j'ai... Qu'est-ce que je peux faire depuis que mes parents sont morts? J'habite tout seul. Mais mon ami Afam Efuma vient de temps à temps pour me tenir compagnie. Et quelquefois aussi le fils du royaume d'Amaozozo qui défile ici pour passer du temps avec toi. Ma princesse... Peu importe. Je t'ai apporté la nourriture. La nourriture? Non, ma princesse, tu n'aurais pas dû. Tu es une princesse, tu n'es pas censée amener de la nourriture à un pauvre chasseur comme moi. Ne dis pas ça. Je sais que la fille d'un roi ne pêche pas si elle apporte la nourriture à ses amis. Mais tu es toujours une princesse, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'es pas un pauvre, arrête de dire ça. Tu es le grand chasseur du royaume d'Amaozozo. Ok? Ok. S'il te plaît, garde ton mets. Ojo? Oui, ma princesse. Viens. Prends ça. Ma princesse. Ça, c'est un thermos royal. Igwe, la nuit dernière, j'avais pu rencontrer Oké Dubia, le grand prêtre, comme vous m'aviez instruit. Bien, quel a été le résultat de votre rencontre avec le grand prêtre? Il avait promis de consulter le dieu immédiatement et venir vous voir une fois que c'est fait. Bien. Nous savons tous que les dieux sont les seuls à fixer la date du festival de Iguabara. Alors, une fois que cela est fait, nous allons entreprendre quelques mouvements. Igwe, si je peux suggérer, ne pensez-vous pas qu'il serait sage pour nous de planifier déjà pour qu'on ne soit pas surpris lorsque la date sera annoncée? Oui, je pense que je suis vraiment d'accord avec toi. Nous savons tous que le festival des Iguamara n'est pas nouveau dans Amaozozo. Nous savons parfaitement comment cela est célébré. Mais je veux que nous planifions à rendre l'édition de cette année plus unique à son genre. Igwe, je crois qu'on pense de la même façon. Je pense qu'on doit essayer de globaliser cette fois-ci. Cela sera possible si on implique toutes les communautés voisines de Iguamara. De cette façon, ça sera vraiment unique, comme vous l'avez dit. Je suis d'accord. Mais pour cela, il nous faut convoquer le conseil élargi des anciens et que nous démarrions avec les préparations en attendant l'annonce qui sera faite chez les grands prêtres. Igwe, vous avez raison. Je pense que nous devrions commencer avec la suggestion de Honoru qui a demandé qu'on implique les autres communautés. Dis-moi, comment es-tu devenu le plus grand chasseur du royaume d'Amaozozo, hein? Bien, disons juste que je peux dire que c'est un don naturel venant des dieux. Oui, je l'ai hérité de mon défunt père. Il fut un grand chasseur. Il tua un lion, c'est pour ça qu'on l'appelle Obuago. Un lion? Oui. C'est formidable. Alors, penses-tu que tu es comme ton père? Pas vraiment. J'essaie d'être comme lui. Bien.
Moi, je crois que tu es plus que ton père. Vraiment? Oui. Et je suis sûre que toutes les filles de cette terre vont désirer vivre avec toi. Oui, oui, mais je ne leur prête pas attention. Ah, vraiment? Mais tu jures au nom des dieux pour ça? Je jure par les dieux que c'est vrai. Peu importe. Merci pour la viande fraîche. C'est rien, ma princesse. Recours à moi chaque fois que tu en auras besoin et je serai très content de t'emmener. Oh, ça c'est bien de ta part. Tu es une bonne personne. Merci. Je t'apprécie. Je veux dire, j'apprécie la personne que tu es. Ma princesse. Oui. Je vais dire une chose. Et j'espère que tu ne seras pas en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-le. C'est quoi le problème? Je t'apprécie. Oui. Tu es belle et humble au même moment. Tu me plais. Merci. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. D'où est-ce que tu viens? Mon mari, elle est-tu allée voir? Du calme, femme. Du calme. Elle peut bien me répondre. D'où est-ce que tu viens? J'étais allée prendre quelque chose. Aller prendre quelque chose sans tes gars. D'ailleurs, qu'est-ce que tu tiens à mettre? C'est la viande fraîche, papa. J'en avais besoin, alors j'avais demandé à Oujo de m'accompagner là où je pouvais l'avoir. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas sortir de ce palais sans les gardes royales? Combien de fois? Je suis désolée, papa. Désolée pourquoi? Désolée parce que tu as été averti et tu n'as rien fait. Ou désolée puisque personne ne t'a rien dit. Qu'est-ce que tu veux dire par désolée? Je suis désolée, je ne peux plus le refaire, papa. S'il te plaît, mon mari, pardonne-lui. Elle ne sortira plus jamais de ces palais sans les gardes. S'il te plaît. Ah, ok. Les gardes vont t'aider à préparer la nourriture. Garde! Iwara, mon bon ami. Sois le bienvenu encore dans mon palais. Merci. Tu sais déjà pourquoi nous sommes là. Ça fait déjà 2 semaines depuis que nous étions venus demander ta fille en mariage. Et si tu te rappelles bien, tu nous avais dit que nous devrions te donner un peu de temps pour que tu en discutes avec elle. Maintenant, nous sommes venus entendre ta réponse. Bien, Biboara. Nous avons été amis depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble et avons fait des choses ensemble. Tu vois, le mariage de ton fils, le prince, et de ma fille, la princesse, va en quelque sorte renforcer et fortifier notre bonne relation. Ça se ferait, ça se ferait. C'est pour cela que
je suis à 100% d'accord avec ce mariage. Tu es en effet un très bon ami. Bien, mais nous devons regarder quelque chose. En fait, je veux dire que ce n'est pas nous, les parents, qui sommes en train de nous marier, mais nos enfants. Alors, nous devons leur permettre de faire leur choix. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Bien sûr que oui, je le comprends. Bien, nous devons leur permettre d'essayer de faire connaissance et de comprendre les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Pour que l'amour règne et on pourra intervenir à partir de là. Oui. Igwe, est-ce que vous voulez dire que je dois aller vers elle, la supplier pour m'épouser? Certainement pas. Mais ce que j'essaie de dire est que nous, vos parents avons décidé du mariage. Mais il vous faut faire connaissance afin d'entrer dans cette synergie qui vous amènera jusqu'au point d'être mari et femme. Voilà ce que je veux dire. Qui a-t-il? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce que Igwe Apiti est en train de dire est correct. Après tout, c'est une femme. Père. Ne m'appelle pas père. Tu as compris? Ne m'appelle pas père. Tu ne sais pas que tu dois supplier une femme pour la prendre en mariage? Tu dois aller la voir. Tu dois t'élever et aller lui parler. Mais père, je suis un prince. Sais-tu le nombre de filles qui voudraient vivre avec moi? Arrête! Elle est aussi une princesse. Tu comprends ça? Et tu dois la respecter. Mais elle n'a pas ma classe. Tais-toi. Ferme cette bouche. Papa, elle n'a pas ma classe. Je t'ai averti. Je t'ai averti. Je dois aller lui parler. Ok. Ok. Excuse-moi, votre majesté. Je dois aller voir la princesse. Je ne serai pas long. Alors, pourquoi tu ne veux pas m'épouser? Ne veux-tu pas nager dans la splendeur de la royauté? Mon prince. Oui. S'il te plaît, n'en parle plus. Je t'avais déjà répondu à propos. Tu n'es pas prête pour te marier, n'est-ce pas? Oui. Et même si je le suis, j'ai aussi le droit de faire mon choix. Oh, arrête de dire de bêtises. Es-tu vraiment une princesse? Hein? Est-ce que le sang royal coule dans tes veines? Je t'en prie. Si tu es vraiment une princesse, alors prouve-le. Tu n'as pas à m'insulter. Le prince couronné du royaume d'Anaba te demande ta main en mariage et là tu es en train de parler de faire ton propre choix. Si je peux le savoir, est-ce que tu as un choix? Sais-tu qui je suis? Ne m'insulte pas. Je pense que il y a un garçon pauvre du village qui est en train de te courir après. Je crois que tu n'as plus rien à me dire. Ne fais plus jamais ça. Sais-tu combien de filles s'est donné la mort juste pour être avec moi? Alors va chez elle et arrête de me déranger. Oh. Tu penses vraiment que je suis en train de faire ça parce que je t'aime, n'est-ce pas? Désolé de te décevoir. Je le fais seulement pour plaire à mon père. Alors lâche ma main. Je dis lâche ma main. Oh, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Demande à ta fille. Ma princesse, qu'est-ce qu'il y a? Maman, peux-tu dire à ce chien fou et stupide d'arrêter de m'insulter? Avez-vous entendu ça? Elle vient juste de me traiter d'un vieux chien fou. Le prince héritier du royaume d'Anaba, un vieux chien fou. C'est une disgrâce royale, je ne peux pas le supporter. Je ne veux pas tolérer ça. Mon prince! Maman, laisse-le partir et qu'il ne revienne plus jamais. Une honte royale, mon œil. Père, partons de cet endroit maintenant.
Partir? Oui. Mais pourquoi? Quittons cet endroit maintenant avant que je fasse quelque chose de dangereux. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les problèmes? T'assois des enfants, que tu appelles princesse. Viens juste de me traiter d'un vieux chien fou. Le prince héritier du royaume d'Anaba. Un vieux chien fou. C'est insupportable. Père, partons de cet endroit maintenant. Je m'en vais. Mais de toute façon, on peut gérer ça. On peut bien gérer. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. On va en parler et je reviendrai vers toi. Ça ira, je ferai de mon mieux. Crois-moi. Eh, mon cher, on peut bien gérer. Oh. Quel genre de fille ai-je vraiment? C'est quel genre de fille comme ça? Recule! Est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Hein? Maman, qu'est-ce que je fais? Tu as rejeté notre royauté. Pour l'amour de Dieu, maman, je ne suis pas permise de prendre ma décision. As-tu besoin qu'une autre personne te dise que tu es une princesse? Maman, je ne peux pas aimer Doubelle. Je ne peux pas l'épouser. Il est très stupide. Il est arrogant. D'ailleurs, je ne sais même pas comment... Oh, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Hein? Peux-tu compter combien d'hommes que tu as déjà rejetés? Et adorés? Écoute, tu n'es plus une enfant. Tu dois te marier. Tu as besoin d'avoir ton homme. Bien sûr que je dois me marier. Mais certainement pas à Doubelle. Parce que je ne peux jamais le pousser. Jamais. Alors, sois prête à mourir. Car je vais t'étrangler à mort avec mes propres mains. Sais-tu ce que tu viens de faire? Tu n'as pas seulement rejeté un homme comme tu l'as toujours fait des bruits. Tu as juste essayé de mettre en péril la bonne relation que j'ai avec mon ami Igwewa. Et je ne te laisserai pas faire. Igwe, s'il te plaît, calme-toi, je te prie. S'il te plaît, elle est toujours une enfant. Hey, as-tu dit une enfant? T'es entendu dire enfant? Quel enfant? Adoul est une enfant? Non, tu ferais mieux de parler à ta fille, parce que elle doit épouser le prince Doubem. Et je pense à chaque mot que je prononce. Je suis un roi. Tu as vu ce que tu as causé? Tu as énervé ton père juste parce que tu n'écoutes pas. Ah! Garde. Ma princesse. Vous deux restez ici, je pars avec les servantes voir une amie. Mais ma princesse, Igwe nous a instruit de vous suivre partout où vous irez. Et je dis que vous allez rester ici. Mais ma princesse... Tu veux t'opposer à moi? Je dis que vous deux devez attendre ici. Est-ce que c'est compris? Les servantes, allons-y.
Tok. Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui est à la maison, s'il vous plaît? Chekoubé? Chekoubé, je te salue. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien en soi. Je t'ai apporté à manger. Tu m'as apporté la nourriture. Comme qui? Ma femme? Ma mère? Ou comme une amie? Laquelle? Hein? Chikoubé, est-ce que je n'ai pas les qualités d'une bonne épouse? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu me fais autant de mal? Ça, c'est ce que je suis en train d'éviter. Je t'ai fait du mal. Comment? Pourquoi veux-tu me harceler émotionnellement? Hein? Écoute, ce n'est pas comme si je te hais, mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je ne ressens rien pour toi. Pas de connexion. Ça ne peut pas marcher. Alors laisse-moi tranquille. Chikoubé, s'il te plaît, donne-moi au moins un essai. Je sais que moi je t'aime beaucoup et que bientôt tu finiras par apprendre à m'aimer. Moi, apprendre à t'aimer? Ma sœur, je n'ai pas ce temps-là. Prends ta nourriture et pars. Chikoubé, s'il te plaît, non. Je perds l'esprit. Chikoubé, je t'en prie, je t'en supplie au nom des dieux. S'il te plaît. Je vais te baptiser avec cette nourriture. Je vais te baptiser avec cette nourriture. Prends ça et va-t'en d'ici. Va-t'en, non? Je vais te baptiser avec ça. Mon ami, va-t'en avant que le pire n'arrive. Allez, va-t'en, va-t'en d'ici. Mon ami, je dis, va-t'en d'ici. Pardon? Je ne vais pas te voir. Va-t'en. Hey. Ma princesse, tu es la bienvenue. S'il te plaît, assieds-toi. Ne sois pas dérangé par cette distraction. Que viens-tu faire ici? Mon amour. Comment as-tu pu me filer jusque chez moi? Mon amour. Chica. J'ai vu comment tu m'as passé sans rien dire. J'ai compris que tout n'allait pas bien chez toi. C'est ainsi que je me suis décidé de venir vérifier ce qui te dérange, mon amour. Ton amour? Suis-je ta femme ou est-ce que tu es mon père? Pourquoi est-ce que tu veux t'imposer sur mon chemin? Mon amour. Elle ne t'aime même pas. Alors tu dois quitter avant que nos parents ne reviennent ici. Qu'est-ce que c'est qui va t'arriver? Tu ne vas pas du tout l'aimer. Chi. Mon amour. De toute façon. Remercions les dieux puisque tu vas bien. Remercions les dieux pour ça, hein? Je m'en vais maintenant. Tu sais quoi? Bien. Ma femme, pars. Va-t'en! Ma sœur, c'est quel genre de problème comme ça? Je ne sais pas, oh. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il veut de toi, au fait? Regarde comment il est. Ce n'est pas normal, ça. Mes salutations, majesté. Je te salue, les yeux des dieux. Que tes jours sur le trône de ton père soient longs. Amen.
que tout celui qui en a après ta vie dort sans pour autant se réveiller. Il sait. Igwe, les dieux m'ont envoyé de t'informer que le festival des Uguama sera célébré dans 4 jours ouvrables. Et pour ce faire, les préparations doivent débuter et les rituels de la sorte le plus vite possible. Oui, je ferai exactement ça. Igwe, je te prie de me libérer. Que ton règne comme roi des Amonsusu soit long. Il sait. Allez, tu vois. Donne. Touche comme ça. C'est comme ça que tu fais? Hein? Ah, c'est difficile. Désolé. C'est comme ça que je dois faire? Allez, donne. Ce n'est pas comme ça. Comment? Regarde-moi. S'il te plaît. Tiens. Comme ça. Ok. Tu es prête? Oui. Tu es prête? Oui. Oh! Je n'arrive pas. Mais c'est vraiment intéressant. J'aime ça. Vraiment? Oui. Juste que c'est un peu difficile, mais c'est intéressant. Alors, tu ne regardes pas d'abord s'il y a quelque chose devant toi? Non. Pas vraiment. Ok, je... Alors, voici ce qu'on va faire maintenant. Attends que je vais arranger quelques trucs ici. Attends. Je vais t'enseigner une autre chose. Okay? Il n'y a pas de problème. Apprendre, c'est une bonne chose, en fait. J'ai beaucoup aimé. On va continuer comme ça, tu vois. Tu vois ce que tu fais? Attends, je vais me fâcher. Arrête ça, je ne peux pas. Arrête, tu refuses. Tu es là, j'essaie. Arrête. Ma princesse... Peu importe. Je t'ai apporté la nourriture. La nourriture? Non, ma princesse, tu n'aurais pas dû. Tu es une princesse, tu n'es pas censée amener de la nourriture à un pauvre chasseur comme moi. Ne dis pas ça. Je sais que la fille d'un roi ne pêche pas si elle apporte la nourriture à ses amis. Mais tu es toujours une princesse, tu n'aurais pas dû.
Oni, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour retenir l'attention de Chikube, dis-moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais il n'est toujours pas intéressé par moi. Est-ce que tu sais si peut-être il a une autre femme à ses côtés? Je n'en sais même rien. C'est comme s'il ne s'intéresse même pas aux femmes en général. Es-tu sûr qu'il est vraiment un homme? Que veux-tu dire par là? Désolée, c'est juste de la curiosité. Parce que moi, je sais qu'un vrai homme doit avoir une relation avec une fille ou même des filles. Je sais qu'il est démontré comme un chasseur le plus brave de notre village. Ça, je le sais. Alors, voyons cela. Les filles sont supposées chaque jour le suivre dans sa maison. J'ai exactement pensé comme ça, mais je n'ai vu aucune femme à ses côtés. Écoute, ne reste pas loin de lui, oh. D'autres filles peuvent te dribbler facilement. Quand tu ne le sors pour que tu saches s'il est en relation avec qui, hein? C'est exactement ce que je fais aussi. Concernant la chose... Aram. Aram est mieux pour toi, non? Que veux-tu dire? Aram est venu chez moi. Il m'expliquait comment il t'aime. Lima, arrête-toi là. S'il te plaît, peut-on parler d'autre chose? Oui, oublions toutes ces choses qui nous embêtent. Aram par ci, Aram par là. Je ne peux pas me reposer. Ok, bien. Umbetina. Non. Mbetu. Umbetu. Wanyoma. Qu'est-ce que tu fais? J'apprête les haricots. Je vois. Dis-moi, ça a été? Oh, la réunion s'est très bien passée. Grâce à Dieu. Ah ouais. Bienvenue. En fait, où sont mes filles? Elles sont là. S'il te plaît, appelle-les, appelle-les. Chica! 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 Amara! Maman? Venez, votre père veut vous voir. Bonjour à tous. Papa, bienvenue. Merci, mes filles. D'accord. Trop bien. Mettez-vous, mettez-vous. Le festival du Gueye Baramara est annoncé. Oui. Ah oui. Alors, ça sera pour quand? On a déjà fixé la date. C'est dans... exactement 4 semaines. Hey, ça c'est bien. Alors mes filles, vous devez vous préparer, vous devez être prêtes. Apprenez les meilleurs pas de danse. Oui. Pour bouger Igwe ces jours-là. Papa, t'inquiète, je sais ce que je veux faire. Merci au Dieu parce que le jour a été fixé. Les jours en question, je reviendrai ici avec un très gros cadeau. Ça, c'est écoute ma fille. Ça c'est bien. Tu peux le dire encore. C'est ma fille. Viens ici. Oui. Est-ce que ma nourriture est prête? Oui. S'il te plaît, j'ai vraiment faim. Amara. Mara. Merci. Viens ma fille. Allons-y. Chica. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui te dérange? Maman, ça va. Es-tu sûre que ça va? Moi, j'ai dit ça va, non? Ah! Es-tu sûre que mais j'ai dit que ça va, maman, je vais bien, maman. Oh! Où vas-tu? Donc, tu pensais que je ne le saurais pas? Savoir quoi? Que tu allais à la maison de Chikube avec un plat de plantain. T'as pas honte de toi-même? Or, de quoi est-ce que tu parles? Oh, ferme ta bouche, arrête de faire semblant. N'est-ce pas Tommy qui disait que jamais tu poserais les pieds chez Chikube? Et Béré la honte sur toi. Ah ça, j'ai assez entendu de ces bêtises. Ou alors que feras-tu? Laisse-moi t'avertir. La prochaine fois que j'aperçois encore tes pieds d'écrevisse dans sa parcelle, je jure, je vais t'enseigner une leçon. Ah ça? Tu as dit que mes pieds sont comme des pieds d'écrevisse? Et qu'est-ce qu'ils sont?
Assa, j'ai marre de toutes ces bêtises. On doit les régler ici et maintenant. Non, laisse-moi, approche, je ne veux pas. Laisse-moi. Approche, idiot. J'ai coupé. Je ne sais pas comment le dire. C'était tellement difficile pour moi de te le dire. Mais laisse-moi te le dire. Laisse-moi le dire. Je suis amoureux de Chica. Je l'aime tellement. Alors va la voir et dis-lui. Et tu penses que je ne le fais pas? J'ai même déjà fait plus que ça, mon frère. Hein? Mais elle continue à me dire que elle n'est pas amoureuse de moi et qu'elle est... Tu vois, elle me dit des choses terribles. Tu sais exactement ce qu'elle a comme problème. Hein? Alors, c'est quoi son problème? Qu'elle est amoureuse de toi, non? Que son cœur t'appartient. Qu'elle ne voit aucun homme dans ses royaumes à part toi. Mais la vérité est que je ne l'aime pas en retour. Alors, ça n'a pas de sens. Si je te dis que je ne suis pas confié, alors je te mens. Je suis confié. Mais tu vois, mon problème maintenant est que... Ma princesse, mes salutations à vous. Comment allez-vous? Je vais bien. Ma princesse. À plus alors, mec. Pas de problème, on se voit après. Moi, je m'en fous. Je viendrai te voir, ok? Ça, c'était mon ami Afam, celui dont je t'ai parlé la fois passée. Oh, je vois. Alors, qu'est-ce que je peux t'offrir? Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Tu sais, tu serais contente si je prends la patate. La patate, tu as dit. Ma princesse, honnêtement parlant, je ne crois pas ce qui arrive. Croire à quoi? Le fait que un chasseur ordinaire comme moi... Tu es prouvé. Tu n'es pas ordinaire. Tu es le plus grand chasseur de cette terre. Arrête de te qualifier d'ordinaire. Où t'aurais voulu un autre métier? Aucun. J'ai une forte passion pour la chasse. Oui. Je ne peux rien faire d'autre. À part la chasse. Tu vois pourquoi je dis que tu n'es pas ordinaire? Tu es un grand chasseur. Merci. J'ai déjà vu cette fille ici. Qui est-elle? Son nom est Chica, la fille de Mazé Okonta. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire ici?
Ne t'inquiète pas, ma princesse. Je vais t'expliquer après. Tu vas m'expliquer après? Nous devons alors aller quelque part pour qu'on en discute un peu. Que j'aille vérifier la patate que j'ai laissée au feu. Ah, Amara. Amara. Ma sœur. Tu sais, tout ça, c'est la princesse. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui vouloir au juste? Qu'est-ce qu'elle va faire dans sa maison? Grande sœur. Ma sœur. Peut-être que ce n'est pas ce que tu penses au... Hein? Tu ne peux pas penser ainsi. Amara, je sais ce que j'ai vu de mes yeux. Amara, je ne suis pas aveugle, je l'ai vu. Hein? C'est étrange. Ma sœur, sais-tu combien de gardes que la princesse a rejetés? Elle ne peut pas prendre Chikoubé. Pourquoi? Amara, donc tu ne crois toujours pas à ce que je t'ai dit? Amara, la princesse a des sentiments pour Chikoubé. Donc dis-moi alors, qu'est-ce que la princesse toute-puissante de Amaouzou peut-elle aller bien faire dans la maison d'un simple chasseur? Peux-tu me l'expliquer? Grande sœur, comme c'est le cas, tu dois mener beaucoup d'enquêtes. Et tu pourras confirmer toutes tes accusations. Amara. Ah. Tu t'es bien entendu? Ma chère, quand je te dis faut m'écouter, me croire. Écoute-moi quand je dis que c'est la princesse au... Tika TV. Amara. Qu'est-ce que tu as avec la princesse? Rien du tout, maman. Hein? Je t'ai entendu parler d'elle. Maman, moi je n'ai absolument rien à faire avec elle. On ne se connaît pas, n'en parlons pas. Pardon. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta sœur? Rien, maman. Elle va bien. Es-tu sûre qu'elle va bien? Oui, maman. Es-tu sûre? Oui. Le mieux serait qu'elle aille bien haut. Ma princesse, es-tu sûre de ce que tu dis? Oui, je le suis. Attends juste. Attends le bon moment. Cela veut dire que j'ai la faveur des dieux. Oui, bien sûr. Et tu as comblé le cœur de la princesse. Le dieu est son sage. Bien sûr que c'est ça. Et tu as aussi comblé le cœur des dieux. Tu viens quand au palais me rendre visite? Ma princesse, tu connais très bien ton père, le roi. C'est un homme que tout le monde craint et respecte. Oh, pardon. Arrête avec ça. Tu viens chercher un problème, c'est ça? Non, mais... Bon, je sais ce que je vais faire. Je te dis d'arrêter de m'appeler princesse. Surtout lorsque nous sommes dans un endroit privé. Appelle-moi ton amour. Mon amour. Mais comment est-ce que tu sais ça alors? Es-tu en train de me demander? Bien, mon père m'a parlé à propos le jour... a été fixé par Okechukwu, les chefs. Bien. Je sens mon cœur qui saute de joie. Et dans un moment pareil, il ne faut surtout pas que j'attende. Oh, parce que je dois me préparer pour être à l'attaque. Exactement, ma sœur. Et on doit commencer à nous préparer en conséquence. Oui, yo. C'est ici qu'on va séparer les filles et les filles. Ah oui. Toko yeba nanako longa. Et ça, quand vous êtes mona. Beaucoup gâté. Vos amitiés. D'ailleurs, je crois en moi-même. Ils sauront pourquoi je m'appelle Amara.
Et vous saurez tous que le festival en question s'appelle... Ah, va là-bas. Pardon, arrête de parler comme ça. Ça sent bien que je suis ici. Vous deux là, vous rêvez. Et pour moi, je ne parle pas beaucoup parce que je sais ce qu'il faut faire. L'aile. Qui est en train de parler? De quelle danse parles-tu? Je suis sûre que tu ne veux pas te rivaliser avec moi. Parce que tu sais que je peux danser plus que toi. Penses-tu que toutes les personnes qui seront là vont te regarder et tes sales danses-là? Hé, tu sais ce que tu penses? Des pigeons qui se prennent pour des aigles. Vous inquiétez pas, quand on se rapproche du pont, on verra qui pourra le traverser. On verra. Neka, tu veux dire quoi? Ah, bien. Je te demande. Neka! Neka! Ah, lèle. Olema, s'il te plaît, aide-moi à parler avec elle, s'il te plaît. Dis-lui combien je l'aime, que je veux l'épouser. Mais tu sais, non, que ce n'est pas mon pouvoir de la convaincre pour que tu acceptes. Je sais, mais c'est ton amie. Elle est ton amie et elle écoute tes conseils. Oui, c'est vrai, mais tu connais Chika, non? Je sais, mais tu peux toujours lui parler. Tu peux toujours lui parler. Montre-lui combien je l'aime. Je veux l'épouser. Mais attends un peu. Mais qu'est-ce qu'elle-même t'a dit quand tu l'as approché? Rien du tout. Rien. Elle me dit juste que je la dérange et que son cœur appartient à une autre personne. Elle a déjà tout dit, non? Mais qu'est-ce que moi je vais encore lui dire? Cela veut dire que tu ne comprends rien du tout de ce que j'ai dit. Écoute, dans notre village ici, notre village entier, la seule personne pour laquelle mon cœur bat, la seule personne que j'aime beaucoup, c'est Chika. Je veux l'épouser, s'il te plaît. Aide-moi, supplie-la d'accepter ma demande. Regarde mon âge. N'ai-je pas l'âge de me marier? N'ai-je pas? Oh! Dis-lui de m'épouser, s'il te plaît. Ok. J'ai écouté ce que tu as dit. Ok. Je ferai de mon mieux. Hein? Je vais essayer. Ok. Merci pour ça. Écoute, je vais te récompenser pour ça. Ah ah. Es-tu sérieux? Non, n'importe quoi que ce soit. Juste dis-le-moi et tu l'auras. Tu es sérieux, je Très pense. Très sérieux. Ok. Je vais essayer de lui parler. T'en fais pas. Je vais lui parler de lui. Tu te dirais quoi? Vraiment. Tchao, merci pas beaucoup. Pas de problème. Que les dieux te bénissent. Ah. Ok, c'est bien. Bye bye. C'était une bonne journée. Ok. Chika, c'est vrai ce que j'ai vu. La princesse a relation avec Omar Chukube. Ah, je sais. Je le suspectais déjà. J'avais même déjà vu la princesse dans sa maison. Cette fois-ci, je les ai vus moi-même avec mes propres yeux. Ils riaient et parlaient avec beaucoup de tendresse comme mari et femme. Olema, que veux-tu que je fasse? Je ne veux que personne ne puisse m'enlever, Chikube. Mais tu ferais mieux de te réveiller, Chika. Réveille-toi. Parce que de la manière où les choses vont, c'est comme si Chikube n'était rien pour toi. Et parce que s'il t'aimait réellement, pourquoi il se promène avec la princesse comme ça? Il est allé jusque chez un Omar Zuzu, avec elle. Réveille-toi, oh. Et donc, tu me suggères de faire quoi? Tu commences maintenant à comprendre. Hein? Aram est la personne qui te convient. Aram t'aime, ne vois-tu pas? Si tu me demandais, alors je te dirais de lui donner une chance. Hein? Je vois que c'est une opportunité de gâcher ma journée. Mais tu sais quoi? Aham n'est pas de mon rang. Et donc, je n'aurai jamais rien à faire avec lui. Tu sais quoi? Excuse-moi. J'ai fait ma part, oh. Si tu veux, continue de perdre ton temps avec une personne qui ne sent rien pour toi. Es-tu sûre de ce que tu es en train de dire? Oui, ma reine. Il est abominable de m'approcher de la reine d'Amaro Zozo pour divulguer de fausses informations. Que les dieux me foudront alors à mort si je mens. La princesse
votre fille sort avec Tchikoubé, le chasseur. Marraine, j'ai tellement peur. J'ai peur à chaque fois qu'elle m'envoie pour aller lui donner quelque chose. Je vous en prie, marraine. Vous devez parler avec elle. Oh, ça va. Ok, je t'ai écouté. Je peux partir. Merci, marraine. Encore une chose. Ne le dis à personne. Garde ça pour toi-même. Oui, marraine. J'ai tes témoins encore. Qu'est-ce que tu as à faire avec Tchoukoubé le chasseur? Et n'ose même pas me mentir. Maman, pourquoi me poses-tu cette question? C'est ce qui est censé être la réponse à ma question. Ok. Tchoukoubé est un ami. Comment peux-tu? Comment peux-tu descendre si bas? Devenir ami d'un chasseur mâle. Un vaurien. Un adoré. Est-ce que tu te rappelles de qui tu es? Est-ce que tu réalises que tu es une princesse? Maman, ça veut dire quoi être princesse lorsque nous parlons maintenant ici? Oh, ferme ta bouche! Tu m'as vraiment déçu. Tu vas amener la honte à la royauté? On ne te permettra jamais de le faire. Qu'est-ce que je fais de mal? Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que je fais de mal? Quitte ma présence maintenant, avant que je ne fasse quelque chose d'étrange. Allez, pars! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça, c'est le genre d'opportunité que j'attends depuis longtemps. Depuis que ce vaurien d'amis a déjà m'abandonné, aucun homme ne s'intéresse à moi. Ah, femme, je te veux. Arrête de te distraire toi-même avec mon amie Chika. Elle ne sent rien pour toi. Son cœur appartient à une autre personne. Je te mérite. Et je vais t'avoir. Je sais ce qu'il faut faire. Ton palais est comme ma maison. Bien, tu es le bienvenu à n'importe quel moment et à n'importe quel jour. Tu vois, notre amitié a duré de longues années, depuis que nos parents étaient encore en vie. Ça, c'est vrai, voilà, c'est tellement vrai. Tu n'es pas seulement un ami pour moi, mais aussi un frère. Voilà pourquoi nous devons nous rassurer que Dubem, mon fils, épouse votre fille. Oh oui, bien sûr, ça c'est un acquis. Les arrangements ont été faits. J'ai sérieusement parlé à ma fille, la princesse, et je vous assure que c'est fait. Elle ne va pas nous écouter, la princesse, elle va refuser. Je sais, mais il faudrait qu'on lui dise que si elle quittait le palais, le roi s'en prendrait à nous et nous en voudrait de ne pas l'avoir dissuadé de quitter le palais. Alors toi, tu penses qu'on peut faire quoi? Je sais. Allons lui dire qu'il y a quelqu'un qui est venu la voir.
Qui veut me voir? Une princesse. Ma princesse. Je dis qu'il désire me voir. Ma princesse, Igwe et son fils Doubem veulent vous voir. Alors où est mon problème s'ils sont venus voir mon père? Ils ne sont pas venus chez moi. J'avais déjà dit au prince que je ne peux pas du tout l'épouser. Alors ils ne sont pas venus me voir. Ma princesse, ils sont venus vous voir, vous. Alors comment les sais-tu? Ma princesse, on nous a envoyé vous dire que le prince Doubem est venu vous voir. Tu as été envoyé par qui? Princesse, par votre père. Oh, voilà qu'elle arrive, ma jolie et élégante fille, la princesse de Amaosusu. Salut, papa. Salut, Igwe. Merci, tu es vraiment très ravissante. Merci. Papa, je pars voir une amie, je veux revenir très bientôt. Mais d'où est-ce que tu me sors ça? Le prince Doubem est venu pour te voir et tu es là à me dire que tu veux voir quelqu'un. Qui? Quel genre d'ami veux-tu voir à cette heure? Oh, il est là pour me voir. Bien sûr. Et pourquoi? Maintenant, regarde-moi, adoré. Ne pense pas que je suis venu ici te supplier pour m'épouser. Je suis seulement venu parce que mon père... Assez! Non, Doubem, écoute-moi. Beaucoup de filles qui sont à l'extérieur, que tu avais insinuées, tu peux bien les proposer. Parce que quant à moi, je ne peux pas. Je ne peux jamais t'épouser. Et si tu es sourd pour entendre ce que je viens de te dire, tu n'as qu'à lire mes lèvres. Je ne peux jamais t'épouser. Papa, tu as entendu ça? Princesse, Igwe, dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux arranger ça, mon ami. Je peux arranger ça. Ma princesse. Je sais que tu peux le gérer. Mais ce que je ne comprends pas est que... Pourquoi ne l'as-tu fait avant notre arrivée? Je t'assure que je peux bien gérer ça. S'il te plaît. Qu'on vous laisse en parler? Toutefois, lorsque tu finiras à régler cette affaire, tu peux m'appeler. Pour l'instant, mon fils, père, allons-y. Princesse, rentre ici.
Pourquoi, au nom de Dieu, tu t'es décidé d'amener la honte à la royauté? Maman, je n'ai pas du tout fait la honte à cette famille. Je ne veux pas épouser Toubem. Point final. Je peux bien comprendre que tu veux ruiner cette famille. Mais je ne te laisserai pas du tout faire, car je te ferai tuer. Papa, pourquoi veux-tu m'envoyer à quelqu'un pour qui je ne porte même pas de l'amour? Pourquoi? Personne n'est en train de te solder à qui que ce soit. Tu es une princesse. Nous ne voulons rien pour toi que le meilleur. Tu dois épouser le prince Toubem. Et cette décision est finale. Je suis un roi. Non, papa. Pas à celui-là. Désolée de vous décevoir. Je ne veux pas épouser Toubem, peu importe son nom. Permettez-moi de choisir avec qui me marier. S'il vous plaît, pas toi ni maman peut me choisir quelqu'un avec qui me marier. Je suis désolée à propos. Excusez-moi. Adoré. Adoré. Ta fille devient folle. Tu ferais mieux de parler à ta fille, car je n'aurais pas d'autre option que de tuer sa folie. Pourquoi ne prendrais-je pas de décisions sur ma propre fille? Des bonnes décisions même. Des très bonnes décisions. Je vous salue, Votre Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, Tchekoubé le chasseur est là. Laisse-les entrer. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a à faire avec ma fille? Je ne le saurai jamais jusqu'à ce qu'il me dise ce qu'il veut. Mes salutations, mon roi. Salutations, ma reine. Que veux-tu? J'ai... Parle comme un homme. Je m'appelle Tchikoubé, les chasseurs. Je sais qui tu es. Je le sais déjà. Juste, dis-moi, pourquoi tu es venu ici? Je suis venu voir la princesse. Qu'est-ce que tu as à faire avec la princesse? Elle est mon amie et elle m'avait demandé. Tu pouvais quoi? Regarde-toi. Papa, maman, lui, c'est mon ami, Tchikoubé. Il est le plus grand chasseur du royaume d'Amazozo. Papa, il est celui que mon cœur aime. Je l'aime, papa. Pas Toubem. Jeune homme, avant que je ne ferme les yeux et que je les ouvre, sors de mon palais! Sors! C'est quoi ça? Tu ne peux pas faire ça, papa. J'aime bien ce garçon. Je l'aime. Garde. Reviens ici. Garde. Reviens. Garde. Ne lui permettez pas. Garde. Ne lui permettez pas de sortir. Garde. Ne lui permettez pas. Allez, vite. Ne lui permettez pas. Tchekoubé. 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 Ma princesse. C'était quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, mon amour? Me présenter à tes parents, on ne s'était pas convenu comme ça. Tu aurais dû me les dire, au moins je me serais préparé. Pendant combien de temps encore allons-nous continuer à nous cacher?
Ne vois-tu pas que nous sommes destinés l'un pour l'autre? Ce que tu dis n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le bon moment pour moi. Ne peux-tu pas voir? Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Cela ne t'empêche pas de venir au palais. Ma princesse, s'il te plaît, je ne peux plus venir dans ce palais encore. Je suis venu parce que je t'avais promis d'amener de la viande après la chasse. Et comme tu peux le voir, aujourd'hui les dieux n'étaient pas avec moi. Je n'ai rien attrapé. Alors, je suis venu parce que je t'avais promis de le faire. Que je parte, j'ai besoin de repos, s'il te plaît. S'il te plaît. Tchekoubé. Votre Majesté, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai compris mon erreur et je promets que ça ne va plus se reproduire. Je n'apprécie pas qu'ils savent bien faire leur travail. Ils se comportent comme des zombies. Veux-tu disparaître de ma vie immédiatement? Merci, Votre Majesté. Va-t'en! Ne le refais plus jamais! Mon mari, s'il te plaît, calme-toi. Pardonne, adorée. Elle est toujours ta fille. Elle veut amener la honte et la déshonneur dans cette famille royale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Adorée, qu'est-ce que signifie cette drame que tu venais de jouer ici il n'y a pas longtemps? Es-tu malade? Oh oui, elle est malade. Mais je suis ton père et je saurai comment tuer cette maladie en toi. Je ne peux juste pas croiser les bras et voir ma fille amener déshonneur et honte dans cette famille royale. Tu as donc le courage, l'audace de te tenir devant moi, le roi, et me présenter un fils d'un vaurien comme quelqu'un que tu aimes? Ah! Il n'est pas le fils d'un vaurien. Son nom est Tchekoubé. D'ailleurs, je ne voulais pas présenter comme le fils de n'importe qui, mais en tant que celui que j'aime. Je m'en fous de ce que vous pensez. Vous voyez cet homme? Je suis bel et bien prête à être la mère de ses enfants. Je suis aussi prête à allaiter les enfants que j'aurai avec lui. Si tu fais encore mention de ce nom ici, je vais te déshonorer ici et tout de suite. Sais-tu réellement si tu es la fille de qui? Tu me pousses à la guerre. Mais je vais te répondre vite. Juste observe-moi. C'est clair que tu as des ailes. Mais crois-moi, je vais vraiment les découper en morceaux. Tu as vu cet homme? Moi, je l'aime. Il n'y a rien que toi ou papa peut faire à propos. Allez, va-t'en! Pars d'ici! Je l'aime. Je l'aime! Ah, tu es là. Ah, Olima, comment tu vas? Bien, je vois que tu es occupé. Oui, la pelouse se multiplie chaque jour. Et donc, je devais prendre un peu de temps pour l'occuper. Ok, je vois. Mais la prochaine fois, tu dois faire encore ce genre de travail. Hein. Appelle-moi, je vais t'aider. Ok, c'est noté. Et alors... As-tu eu le temps de parler à Chika concernant ce qu'on avait dit? Oui, j'ai parlé avec elle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu vois de si spécial chez Chika qui te rend fou? Je l'aime. J'ai des sentiments pour elle. Je vois ma femme et la mère de mes futurs enfants en elle. S'il te plaît, aide-moi à la supplier. Je ne peux même pas dormir sans pour autant penser à elle. Alors, enlève tes pensées sur elle parce que ça ne va pas marcher.
Hein? Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, Chika m'a dit clairement que son cœur appartient à ton ami Chikube. Alors, tu dois chercher une autre fille. Alors, que puis-je faire maintenant? Il y a tellement de belles filles dans ce village. N'y vois-tu pas? Suivre Chika, c'est suivre sa propre ombre. Alors, qu'est-ce que tu vois chez Chika que tu ne vois pas chez moi? Hein? Dis-moi. Je ne comprends pas du tout de quoi tu es en train de parler. Chika ne voit rien de bon en toi. Mais moi, je le vois. Je vois que tu seras un bon mari. Je sais que tu seras surpris de savoir que je meurs d'envie de dormir dans tes bras. Hein? Suis-je pas assez jolie pour toi? Ah. Je ne suis pas assez jolie. Ah, Olima. Tu peux bien voir que je suis tellement occupé. Je travaille. Alors je te demanderai de partir maintenant parce que tu n'es pas de bonne humeur. Tu es de mauvaise humeur. Voilà. Je ne suis pas dans une mauvaise humeur. La seule humeur que j'ai maintenant, c'est de te dire que je t'aime. Oju, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu ne peux pas le faire. Et pourquoi pas? Donne-moi une raison pour laquelle je ne devrais pas le faire. Non, donne-moi une raison pour laquelle je ne devrais pas le faire. Si la reine mère découvre que la princesse n'est pas dans le palais, qui pensez-vous qu'elle va blâmer? Dites-moi. Qui? Oju, est-ce que tu sais qu'on ne peut pas l'arrêter d'aller où elle veut aller? Avez-vous oublié que la reine nous a instruits de toujours lui rapporter toutes les fois où la princesse ne serait pas au palais? Le saviez-vous? Je sais, mais tu sais qu'elle a refusé qu'on puisse dire à la reine qu'elle est hors du palais. S'il te plaît, ne le fais pas. Je t'en prie, maman. Elle nous a beaucoup supplié. S'il te plaît, ne le fais pas. Ça, c'était avec vous. Mais en ce qui me concerne, Ujuma, je m'en vais rapporter cela auprès de la reine mère et c'est décidé, point barre. Et aucune de vous ne pourra rien faire contre ça. Je l'ai dit. Ujuma, s'il te plaît. Tu aimes bon. Tu aimes ça? Oui, bien sûr. Ma princesse. Oui. Est-ce que je peux te nourrir? Oui, pourquoi pas. Je vous salue, votre Altesse. Désolé. Je vous salue, votre Majesté. Y a quelqu'un? Chikube! Chikube! Qu'est-ce qu'il y a?
te garde au moment. Tu es beau, l'homme. Tu es voulu au palais. Pourquoi? Une fois là-bas, tu le sauras. Maintenant, viens avec nous. Jamais. J'ai décidé de jamais remettre mes pieds dans ces palais encore. Maintenant, bouge. Essaie-tu de désobéir aux ordres du roi ou quoi? Allez, mets la bouche. Mon frère, c'est bouge plus vite. Sérieux que ça. C'est plus sérieux que ça. Allons-y. Allons-y. Écoutez-moi bien. Aucune chose dans le monde ne laissait plus la princesse partir de ce palais aujourd'hui, sans mon consentement. Éventuellement, si vous la laissez partir de ce palais sans ma permission, vous aurez affaire avec moi. C'est clair? Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, ma reine. Bien. Et toi, où vas-tu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Peux-tu dégager de ma vue? Nous avons reçu les instructions. Tu parles de quelle instruction stupide? La reine, votre mère, nous a donné des instructions pour vous protéger. Les filles, vous ne pouvez surtout pas ta permission. La reine? Oui, ma princesse. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Tchekoubé. Tchekoubé? Oui. Comment ça, Tchekoubé? Je viens de voir les gardes du palais l'emmener. Les gardes du palais? L'amener où? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il l'a emmené au palais. Ça, c'est ça. Ok. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi aller au palais maintenant. Hein? Laisse-moi aller découvrir si c'est quoi le problème. Hein? Je dois venir avec toi. Non. Laisse-moi y aller en premier. Laisse-moi aller vérifier si c'est quoi le problème, ok? Comme ça, à mon retour, je vais te briefer. Tu ne dois pas aller là avec moi pour ta sécurité. Hein? Alors, rentre à la maison. Laisse-moi y aller en premier, ok? Ok. Arrêtez, pardon. Arrêtez, ça suffit. Aïe. Assez. Jeune homme, lève-toi. Aïe. Écoute. Ça, c'est juste un bout d'iceberg. Ce que t'en fais maintenant ne sera pas comparable à ce que Igwe et moi allons te faire si jamais on te voyait à côté de notre fille. Allez maintenant, parle de cette parcelle. Lève-toi. Thank you.
Tchekou. Tchekoubé. Tchekou. Tchekou. Tchekoubé. Ah ah. Tchekoubé. Lentement, non? Sans fort, madame. Je ne saurais pas te dire d'arrêter de suivre la princesse. Jamais. Je ne le ferai pas. Et même si je te le disais, tu ne vas pas me suivre. Arrête. Aïe. Si je t'avais interdit de suivre la princesse, tu n'allais pas me croire. Regarde maintenant. Hein? Enfin, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que c'est un crime de tomber amoureux de la princesse? Est-ce un crime? Parce que je ne peux pas fermer les yeux sans penser à la princesse. Oui. Ce n'est pas un crime, et encore moins une abomination. Tomber amoureux d'une princesse. Dans notre village d'Amansouzou, ils pensent que les riches ne peuvent jamais se marier avec les pauvres. Pakambaou Yangwan. Ce n'est pas possible pour que tu t'es marié à la princesse. Je t'avertis, oh. Oh, arrête! Oh, attends, oh, je... Arrête, ah, ça attends, fait mal. Non? Hein? Arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ma princesse, soyez la bienvenue. Qu'est-ce que c'est ça? Ne me dis pas que mes parents t'ont fait ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma princesse... Ne t'en fais pas, ça va aller. Ne me dis pas que tu iras bien, regarde ton corps, regarde comment tu es. Ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ma princesse. T'inquiète, ma princesse. Viens t'asseoir qu'on en finisse, non? Viens t'asseoir. Viens, non? Oh, tu fais comme ça. Attends, mais je vais te suivre. J'ai appris ce qui s'est passé. Et je suis même celle qui a informé Aham. C'est elle qui m'avait informé que les gardes t'avaient amené au palais. C'est pour cela que j'étais venu te chercher. Merci. J'ai vraiment aimé. Alors, comment te sens-tu maintenant? Je me porte mieux. Que les dieux soient loués. Va non. Tu peux partir. Je t'ai entendu. J'ai dit pas. Tu peux voir que je t'ai pas invité. Par non. Par s'il te plaît, par.
ouvrez les portails. Où est ma mère? Maman. Maman, pourquoi pouvais-tu? Pourquoi est-ce que toi et papa ont frappé Chukube de la sorte? Maman, c'est de la méchanceté. C'est vraiment inhumain. N'est-ce pas que je t'ai dit que ce n'est pas facile pour ton père d'accepter ça? Hein, dis-moi. Hein? Maman, s'il te plaît, parle-moi de ça. Ce n'est pas juste à cause de papa tout ça. Tu as aussi une mainmise. Oui, maman. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Bien. Ton père s'est décidé de punir Chukube. Je n'ai aucune mainmise là-dessus. C'est d'ailleurs moi qui ai interdit aux gardes d'arrêter de le punir. Et j'ai conseillé à ces jeunes hommes de rester loin de ces palais. Ah oui, tu l'avais fait? Je sais très bien pourquoi vous le faites. Vous le faites pour me pousser à épouser le prince d'Ubem. Alors vous savez quoi? Cela ne peut jamais se faire. Et moi je jure sur ma tombe, ça ne peut jamais se faire. Assez! Je ne veux pas te laisser me parler ainsi. Je suis ta mère. Oh, c'est vrai? Tu es ma mère? Une mère qui ne considère pas le sentiment de sa fille? C'est elle la bonne mère? Allez, ferme ta bouche! Tu m'as giflé? Il n'y a pas de problème. Quitte ma présence maintenant. Je pars. Mais cela ne va pas terminer mes sentiments envers Chibube. Va-t'en! Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ah! Ma princesse! Qu'est-ce que ces rêves veulent dire? Je te salue, Madoka. Chukube, garde tes salutations pour toi-même, ok? J'en ai pas besoin. Hein? J'ai dit je n'en veux pas. Ça veut dire? Oh! Donc je suis si petit à tes yeux pour acheter les viandes auprès de toi? Non, réponds-moi. Désolé, je ne comprends pas de quoi tu veux parler. Tu ne comprends pas. Ok, laisse-moi te demander. Depuis que tu as commencé à tuer les animaux dans ces villages, as-tu déjà pensé même une seule fois venir me voir et me demander si je vais acheter ou pas? Je te demande, Chukube. Madoka, cela ne devrait pas être un problème. C'est un problème. D'accord, je te promets. Je viendrai te voir pour savoir si tu vas acheter de la viande. Chukube, je n'ai plus besoin de ces viandes, ok? Je te l'ai dit. D'ailleurs, Chukube, lorsque nos parents étaient en vie, je sais combien ils se considéraient. Donc, lorsque ton père allait à la chasse pour tuer les animaux, à son retour, la première des choses qu'il faisait, c'est passer voir mon père et lui demander s'il va acheter ses viandes ou pas. Mais depuis qu'ils sont morts, tu as changé. Tu as tracé ta ligne. Moi également, j'ai tracé la mienne, voilà. Mon frère, comme je l'ai dit avant, ceci ne devrait pas être un problème, ok? Et je t'en fais les serments. Je viendrai toujours te voir pour savoir si tu as besoin de la viande. Chukube, je te l'ai bien dit. Écoute, je n'en ai plus besoin. Tu peux garder ces viandes pour toi-même. Ou soit aller les vendre à tout celui qui sera intéressé. Mais quant à moi, Madoka, je n'ai plus besoin de tout ça. Tu peux les garder pour toi-même. Mais laisse-moi t'avertir. Regarde, Chukube,
Tu vas dans ma ferme. N'ose plus mettre tes pattes sur mon terrain. Parce que la prochaine fois que je te verrai poser tes pattes sur mon terrain, Chekoubé, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Je t'ai averti. Je t'ai averti. Mon frère, est-ce aussi sérieux que ça en a l'air? Je t'ai dit. Qui a fait ça? Igwe, cet homme a été retrouvé mort dans son champ. Qui a fait ça? Est-ce que quelqu'un sait qui aurait fait ça? Dans Amansoussou, qui a fait ça? Oui, mon roi, oui, je sais. Tu sais? Parle. En effet, mon roi, j'étais en train de travailler dans mon champ. J'ai entendu les coups de balle. Et j'ai couru sur place vite pour voir ce qui s'est passé. Arrivé là, j'ai vu un homme en train de courir. Je n'ai pas pu voir son visage. Mais de son dos, mon roi, je ne sais dire qui était cet homme. C'était un ressortissant de Amansoussou? Oui, mon roi. Il est de Amansoussou. Et tu les connais? Oui, mon roi. Je le connais. Bien. Hey, allumez-le. C'est l'arme de Chekoubé. Oui. Ça, c'est l'arme de Chekoubé. Hey, c'est l'arme de Chekoubé. Oui, oh. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Pourquoi avoir tué un innocent? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais bouge! Qu'est-ce que j'ai fait? Allez! Où m'emmenez-vous?
Qu'est-ce que j'ai fait? Bouge! Qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi être. Ose prononcer encore un mot de plus. Je vais te couper la tête. Allez, bouge! Yoko, Yoko. Hey! Hey! Igwe, les yeux de Dieu. Ma princesse, crois-moi, je ne l'ai pas tué. Quelqu'un avait volé mon arme. Je jure que je ne l'ai pas fait. Pourquoi tuerais-je quelqu'un que je ne connais même pas? Je ne l'ai pas tué. Je crois. Mais je fais de mon mieux. Je suis vraiment touchée. Ma princesse, s'il te plaît. Ne le laisse pas me tuer. S'il te plaît. Ne le laisse pas me tuer. Ils peuvent me bannir s'ils le veulent, c'est pas un problème. Ne les laisse pas me tuer, je suis innocent. Je suis innocent, crois-moi, je ne l'ai pas tué. Jacob, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Je veux faire de mon mieux. J'ai même supplié ma mère pour qu'elle parle à mon père pour ton cas. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas voulu m'écouter. À qui est-ce que je fais du mal? Qui est en train de me faire ça? À qui ai-je fait du tort? Et toi? Tu es en train de me faire ça. Tu ne veux pas la fermer, hein? Tu ne veux pas la fermer, c'est ça? Ne fais plus de bruit, oh! Si tu oses encore faire bruit, tu verras ce que je vais te faire. Papa, il est innocent. Je sais très bien de quoi je parle. Jacobé est innocent. Quelles sont tes preuves? Je n'ai aucune preuve, mais je le connais très bien. Je le connais très bien plus que toi, tu me connais en tant que ta fille. Jacobé est innocent. Mais tu étais là quand le grand prêtre a dit qu'il avait commis ce meurtre. Il ne l'a pas fait. Je perçois qu'il s'agit d'une conspiration. Oui, papa. Qui a conspiré contre qui? Ce garçon est un meurtrier sanglant. Il n'est pas un meurtrier. Maman, je le connais. Je jure que tu ne le connais pas autant que tu le penses. Tu le détestes. Ce pauvre est en train de souffrir parce qu'il n'y a personne qui veut l'écouter. Si quelque chose lui arrive, les dieux ne seront pas contents. Assez. Adoulé, assez. J'en ai vraiment assez. Je suis profondément déçu de toi, Adoulé. Tu te tiens devant moi pour défendre un assassin. Oui, papa. Je connais Jacobé. Papa, ça, ce n'est pas toi. Tu n'as jamais pris la décision sans pour autant vérifier. Pourquoi le cas de Jacobé est différent? Pourquoi? Tu laisses le pauvre garçon souffrir pour rien? Mais tu étais là quand le grand prêtre, qui devait normalement le déclarer innocent, l'a déclaré coupable. Que voudrais-tu que je fasse? Mon roi, ce garçon, c'est un meurtrier qui mérite d'être chassé du royaume de Omozuzu. Laisse qu'il soit puni sévèrement comme le Dieu le veut. Je veux faire de mon mieux. Je le ferai. Papa, si tu ne peux pas protéger les intérêts de ta propre fille, je suis désolée de dire que tu n'es pas un bon roi. Adoulé. Oui. Adoulé, que les rois devraient
soutenir les meurtriers? Non. Je te dis que j'aime ce garçon. Je veux devenir la mère de ses enfants. Et vous êtes en train de me dire ce que les dieux ont dit? Moi, je ferai de mon mieux pour découvrir pourquoi est-ce que le dieu garde silence pendant que ce garçon est en train de souffrir. Oui, je vais les découvrir. Bon, peu importe. On n'est pas surpris du tout. Elle est déjà devenue folle. Mon mari, tu sais toujours que Chokube est notre ami. Gloire au Dieu que les choses se sont passées de cette façon. Laissons attendre la décision de Dieu. Ah, et maintenant nous faisons quoi? Nous ne pouvons pas le laisser là-bas. Nous devons faire quelque chose pour le faire sortir. Mais, penses-tu qu'il a fait ça? Non, il ne l'a pas fait. Je connais très bien Chekoubé. Et même s'il ne m'aime pas, je le connais et je sais ce dont il est capable. De toute façon, je connais Chekoubé depuis que nous étions des enfants. Chekoubé n'a aucune sorte d'esprit malveillant. Je crois à ça moi aussi. Mais quelque chose ici m'inquiète. Ok Dibia a dit qu'il a fait ça. Et vous tous, vous savez là que la voix de Ok Dibia, c'est la voix de Dieu. Oui, mais il y a tout de même quelque chose qui cloche. Quelque chose cloche. Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peu importe mes propres inquiétudes. Oui, regardons ça dans cet angle. De ce que Madoka a dit, il a dit que les chasseurs qui a tué le fermier avaient posé le fusil de Chekoubé à côté du mort. Si c'est vraiment son propre fusil, dis-moi, comment tu trouves cette situation? Comment? Chico, qu'est-ce que tu veux dire? C'est sûrement une manière de punir Chekoubé pour avoir une relation avec sa fille. Chica, surveille ton langage. Surveille ton langage, Chica. Ça, c'est une très grande accusation que tu mets à l'égard du roi. Ah, écoutez, c'est comme aller dans une mission suicide. C'est ce que vous faites. Je te conseille de ne permettre à aucune oreille de t'entendre. S'il vous plaît, que ça reste entre nous. Mais tu sais quoi? La vérité ne sera pas enterrée pour longtemps. Et les dieux ne sont pas endormis. Chekoubé, si seulement tu m'avais écouté moi. Regarde dans quel problème tu allais te mettre. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais ni quoi faire, ni quoi dire. Hey. C'est un cas d'assassinat. Un cas d'assassinat. Alors, si tu me demandes, je ne sais quoi faire. Enfin, tu n'as pas à nous rappeler ça. Dis-nous ce que nous allons faire. Suggère quelque chose à la femme. Oui. Essaye de faire quelque chose. Ok, ça va. Une idée m'est passée en tête maintenant. Alors, je ne sais même pas si ça ira ou... Oh, mon Dieu. Essayons quand même. Ok, essayons un peu alors, hein. C'est nous.
Que voulez-vous? Nous sommes venus voir les Igwe. Voir les Igwe pourquoi? Hein? Voir Igwe pourquoi? Nous voulons le voir concernant Chikube. Nous voulons parler à Igwe concernant l'innocence de Chikube. Chikube n'a pas fait ça, ce n'est pas un mauvais gars. S'il vous plaît, oui, c'est mon ami et je le connais très très bien. Chikube n'a pas un cœur à faire du mal à qui que ce soit. C'est vrai. Tout ce qu'il sait faire, c'est se rendre à la chasse. Et puis c'est fini. Vous vous plaignez auprès d'une mauvaise personne. Hein? Hein? Oui. Alors pourquoi tu ne nous as pas dit? Hein? Alors pourquoi tu ne nous as pas dit? Hein? C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de nous amener à Igwe. Hein? Et donc, écoutez, mon nom, vous me connaissez, non? Hein? Mon nom est Amefuna. Les Igwe voudra parler avec moi s'il me voit. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous amener vers le roi? Laissez-nous les voir. Hein? Pourquoi les gens sont comme ça? Vous avez quitté chez vous pour venir ici sans votre cerveau et votre sens de raisonnement. Nous vous disons que Igwe ne veut voir personne venir le visiter. Encore moins celui qui viendrait pour défendre Saint-Bertrier et Chikube. Alors vous devez partir d'ici et attendre la volonté des dieux. Hey! Mais... Et comme il sous ma kamabanzambe. Et donc ceci est devenu l'affaire des dieux maintenant. Genti, laisse-moi te dire. Il doit tout de même y avoir quelque chose à faire. Laissez-nous entrer. Même la reine, on peut même la voir et lui parler. Hein? Permettez-nous d'entrer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour voir quelqu'un à l'intérieur? Il n'y a rien que tu puisses faire pour entrer ici. Hey. Ok, écoutez. Est-ce qu'on peut au moins voir Chukube? Hein? On ne sait pas s'il a mangé ou pas. Hein? Jeune fille, tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer ici. Si Hugo a pété, sors ici et vois l'un d'entre vous. Vous n'allez pas quitter ici, avec votre tête sur votre cou. Et c'est à moi qu'on va dire de tous vous décapiter. Maintenant, enlevez-vous-en. Oui, tout est négatif. Des conneries. Des bêtises. Qui sont-ils? Chika, Chika, oh, tu es ici, hein? J'ai appris que Chikube sera banni de Amos aujourd'hui. Et toi, tu es ici. Allons-y, non? Ah, mais ça, je le sais déjà. Oh, tu le sais? Oui. Alors, pourquoi tu es ici? Écoute, mon inquiétude ici est que si Chikube est banni de Amos aujourd'hui, où va-t-il habiter, hein? Va-t-il habiter dans la bourse ou quelque part d'autre? C'est ça mon problème. Enfin, moi j'ai déjà fait mes plans. Hein? Oui. Tu parles de quel plan? Je vais emmener Chikube dans mon village maternel. Il va y rester. Hein? Mais, Afam, ne me dis à personne, non. Je ne ferai pas une telle chose. Que ça reste entre toi et moi. Que personne d'autre ne le sache. Je n'oserais même pas. Ah, tu me connais, non? Même pas. Ça ne tiendra pas. Allons-y alors. J'espère que ça ira. Thank you.
Ma princesse, ne vous faites pas souffrir ainsi. Vous avez pleuré toute la journée et ce n'est pas bien pour vous. Ma princesse, Biko, essuyez vos larmes. Peut-être que les dieux ne vous ont pas destinés à finir ensemble. Qui sait après tout? Et si cela est une destinée? Vous allez toujours vous mettre ensemble. Chekoube n'est pas mort. Il a juste été chassé du village. Oui, ma princesse. Choisissez d'avoir l'espoir qu'un jour vous deux vous finirez par vous revoir encore. Si seulement c'est la volonté des dieux. Ma princesse. Ma princesse, s'il vous plaît, arrêtez ça. Entrez. Salut, ma princesse. Prends place. Non, ma princesse, je préfère me tenir debout. Je préfère que tu te mettes. Ok, si vous insistez. Kai, ma princesse, parmi toutes les servantes de ce palais, tu es la seule en qui je peux me confier. Parce que tu es une bonne personne. Merci, ma princesse. Alors, je désire ton aide. Peu importe ce que vous allez dire, je vais le faire pour vous. Ok. Avec tous les sens humains dans toi, je veux que tu me dises. Penses-tu que Chekoube est innocent de ces accusations? Ma princesse, je vois son innocence dans ses yeux et dans sa voix. Lorsqu'il était en train de parler ce jour-là, mais ce que je ne comprends pas est que... Pourquoi ils ont fait ça pour le faire souffrir? Es-tu en train de dire qu'il est innocent? Oui. Je crois que je connais celui qui a fait ça. C'est vrai, ma princesse? Oui, bien sûr. Chekoube est une bonne personne. Il ne peut pas tuer quelqu'un. Et maintenant qu'il est banni sur cette terre, quelqu'un l'a préparé pour nous séparer. Ça peut être qui? Naya, je peux croire en toi? Oui, ma princesse, allez-y, vous pouvez le faire. Je crois que quelqu'un dans ce palais l'a planifié. Quoi? Ça peut être qui? Que du bois. La reine m'a demandé de vous apporter ceci pour ce que vous avez fait. Rentre chez la reine. Dis-lui merci. Mais dis-lui aussi qu'elle devrait arrêter d'envoyer des cadeaux. Mais j'apprécie vraiment. Mais si elle envoyait un cadeau de plus, je ne le prendrais pas. Ok. Tu peux le garder là.
Je m'en vais maintenant. Je vais délivrer ton message auprès de la reine. Puisse les dieux te conduire. Merci. Ma princesse, j'avais suivi les gardes dans la maison de Chukwe lui remettre le banane plantain. Tu veux dire que ma mère lui a donné le banane plantain? Oui, ma princesse, elle avait fait ce que j'avais entendu auprès du garde. Ah, c'est quel genre d'affaire que ma mère a avec ce chef? Ma princesse, en tout cas, je ne sais pas du tout. C'était peut-être un cadeau. Je ne pense pas. S'il y a quelqu'un qui doit donner un cadeau à ce chef, ça doit être mon père et non ma mère. Ma princesse, j'avais aussi entendu quelque chose. J'avais entendu quelque chose? Oui, ma princesse. C'est quoi alors? Le garde a dit quelque chose lorsqu'il remettait le cadeau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la reine lui avait envoyé le cadeau et félicitations pour son boulot. Félicitations pour le boulot? Quel boulot? Je ne sais même pas, ma princesse. Il lui a dit que ta mère lui avait envoyé pour lui donner ce cadeau-là. Je vois. Ça veut dire que le chat va sauter en attaquant par l'arrière. Y a-t-il un problème, ma princesse? Non, il n'y a rien à t'inquiéter. Tu peux partir, vas-y. Je lui ai directement donné toutes ces choses. Es-tu sûr que personne ne t'a suivi et t'a vu quand tu partais chez lui? Ma reine, pas ce que je sache. Mais j'ai suivi le chemin qui mène vers le ruisseau et ensuite vers sa maison. Arrivé chez lui, personne n'était avec lui. Ok, tu as fait un bon job. Merci, ma reine. Mais il m'a demandé de vous dire que vous devez arrêter de lui envoyer des cadeaux. Oh! Je n'ai donc pas le droit de lui envoyer autant de présents. Tu peux partir. Ok, Dibia. Tu as fait ta part. Et moi aussi, j'ai fait la mienne. Je pense que l'affaire est close. Comme c'est bien de travailler avec toi. Tu es une honte pour la royauté. Une disgrâce pour mon trône. Papa, qu'est-ce que j'ai encore fait? Quel est ce mal-là que tu n'as pas fait? À cause de ton arrogance et ta jalousie et ton impolitesse, tu as ruiné la relation que j'avais avec mon ami d'enfance, Igwe Apiti, du royaume d'Amaouzouzou. Père, ce n'est pas ma faute. Cette princesse n'est pas encore prête pour se marier. Et je suis même sûr qu'elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Ferme ta gueule. Ferme-moi cette gueule. N'as-tu pas honte de toi-même? N'as-tu pas honte de toi-même? Sais-tu si tu es de la royauté? Sais-tu au moins si tu es le fils de qui? Est-ce que tu sais cela? Papa, je sais que je suis un prince. Et voilà pourquoi je n'aime pas parler avec des gens qui ne sont pas de ma classe. Je regrette de t'avoir eu comme fils. La mort de ta mère a causé beaucoup de tort dans ma famille royale. Si elle était en vie, elle aurait donné naissance à un autre enfant pour te remplacer. Ne m'appelle pas père. Tu m'as entendu?
Je vous salue, mon prince. Mon prince, voulez-vous... S'il te plaît, je n'ai pas besoin de dérangement. J'ai besoin d'être seul. Si tel est votre désir, mon prince. Père, je sais que je t'ai fait beaucoup de torts. Et j'ai aussi apporté la disgrâce à la famille royale. S'il te plaît, Père, pardonne-moi. Et je promets d'être une nouvelle personne. Est-ce une autre façon pour toi de me flatter? Ou quoi? Pas du tout, Père. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Mais je suis une nouvelle personne maintenant, Père. J'ai promis d'aller au royaume de Monzuzu, de m'excuser auprès de la princesse et de proprement lui demander sa main en mariage. Et qu'est-ce qui te fait croire que la princesse va accepter de t'épouser? Surtout comme un prince irresponsable que tu es. Père, je ne suis plus ce prince irresponsable. Je suis une nouvelle personne maintenant. Tout ce que je te demande, c'est une chance d'être un bon fils encore. Père, s'il te plaît. Je te l'avais déjà dit, mais je vais me répéter. Tu es une disgrâce pour la royauté. Maintenant, quitte ici. Père, je dis quitte ici. Papa, je dis que je suis désolé. Dégage d'ici! Ma princesse, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses à prendre à part la royauté. S'il te plaît, j'ai vraiment été plein de moi pendant tous ces temps. Et je t'ai dit, j'ai tellement honte de moi-même. Oh, le très haut suprême d'Ubem. C'est réellement toi? Oui, ma princesse. Mais je ne suis plus ce d'Ubem que tu avais connu avant. Je suis une nouvelle personne maintenant. Tu es une nouvelle personne maintenant? Oui, ma princesse. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que c'est une pièce théâtrale ou quoi? Ce n'est pas du théâtre, ma princesse. Ça me fait du mal de me souvenir que je fais du mal à beaucoup de personnes dans le passé. Et je ne peux pas remonter le temps pour m'excuser. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Maintenant, nous pouvons marcher ensemble, je te promets. Alors écoute-moi, d'Ubem, peu importe ce qu'on t'appelle. Je t'ai accepté, ce n'est pas parce que tu es une personne spéciale pour cette maison. Mais c'est parce que je ne suis pas d'humeur en ces moments. Mais je peux voir que tu n'as plus rien à dire. Je t'en prie, s'il te plaît, ma princesse. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne suis pas de ta classe. Les gens peuvent comprendre ce qui se passe. Tu es là à genoux comme un petit rat en train de demander des excuses. C'est vrai? Je sais que tu es très en colère contre moi, ma princesse. Mais je veux que tu saches une chose. Que le changement est la seule constante de la vie. Je suis une nouvelle personne maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi. Attends, je vais appeler les gardes. Ils vont te mettre hors de ce palais. Comme ça, tu vas comprendre que je ne suis pas du tout de ta classe. Ma princesse. Garde. Ma princesse.
Père, s'il te plaît, juste écoute-moi. Qu'est-ce que tu as à dire? Papa, j'étais à Mazouzou voir la princesse pour la supplier de me pardonner. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Père, elle m'avait chassé de leur palais. Exactement. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit que tu es une disgrâce pour la royauté. Père, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Et je sais que je n'ai pas été un bon fils. Mais s'il te plaît, pardonne-moi, Père. Je suis une nouvelle personne. Je t'en supplie. S'il te plaît. Lève-toi. 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 Merci, Père. On ira là-bas. Merci, Père. Igwe. J'ai regardé en arrière et j'ai réalisé que j'ai été une mauvaise personne pour tout ce qui était autour de moi. Je n'avais jamais su que mon comportement était horrible. Je l'ai à peine réalisé. Maintenant, je sais qui je suis. Voilà pourquoi je vais demander à tous ceux qui j'ai fait du mal dans le passé, directement ou indirectement, de me pardonner. Je vous en prie, Votre Majesté. Je suis vraiment désolé pour mon comportement du passé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mon fils, nous t'avons bien suivi. Ton père m'a tout dit avant même que tu n'arrives. Alors, nous te pardonnons. Merci, Votre Majesté. Ma princesse, je sais que tu es très fâchée contre moi. Mais je veux te supplier. S'il te plaît, ne me prends plus comme cet ancien, Doubem arrogant et impoli. Ça, c'est un tout nouveau Doubem. S'il te plaît, je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai causé dans le passé. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai pris ma décision de t'épouser, ma princesse. S'il te plaît. Ma charmante fille, s'il te plaît, je vais te parler au nom du prince. Alors qu'il venait de dire qu'il est désolé, s'il te plaît, pardonne-lui. Maman, s'il te plaît, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. D'ailleurs, je ne suis pas de bonne humeur. Je suis... Ça, ce n'est rien. C'est déjà passé. S'il te plaît, ma fille, fais ça pour ton père et moi. Je te prie. Ma charmante fille, le soleil du royaume de Amazuzu. La plus belle de toutes les princesses dans l'univers entier. Oh, oui. Adada. Adada, moi. Adada, moi. Moi. Je ne peux pas croire ça. Mon rêve va enfin s'accomplir. Tu ne sais pas combien je suis heureuse. Hein?
Ils feront un bon couple. Oh oui. Regarde-le. Je peux voir ça. Les dieux sont fâchés. Ok, Tibia. Le petit-fils d'un Koumoum. Guerrier de poussière. Peux-tu défier les lois des dieux? Petit enfant, qui es-tu? Et d'où est-ce que tu viens? D'où je viens n'est pas important. La vraie question est... Pourras-tu résister à la foudre des dieux quand elle s'abattra? Les dieux ne punissent que ceux qui les désobéissent. Tu penses que tu n'as pas offensé les dieux? Ok, dis bien. Tu as semé la zizanie sur une terre. Et les dieux sont fâchés contre toi. Tu dois partir et confesser. Va dire ce que tu as fait. Sinon, les dieux déverseront leur colère sur toi. Petit enfant, qui es-tu? Hey! Hey! Ho! Aranema Waka! Les saints de ma mère se sont tournés contre moi. Les dieux qui me faisait confiance un an aujourd'hui après ma vie. Qu'est-ce que ceci veut dire? Les dieux de mes ancêtres, je sais que je vous ai offensé. Mais allez dire aux gens ce que j'ai fait est trop dur pour moi. Comment les peuples de Amosuzu vont se sentir en écoutant ça? Les dieux de notre terre, qu'est-ce que ceci veut dire? Pourquoi êtes-vous venus vers moi avec une telle distraction? Les dieux de nos ancêtres, s'il vous plaît, faites justice avec pitié. Je sais que j'ai mal fait, mais dire aux gens ce que j'ai fait est trop dur pour moi. Quel sacrifice voulez-vous de moi? Taureau, des bétails, chèvres, coqs, dites-moi. Moi, Okedibia, le petit-fils de Unkuna, vous les donnerez.
Ma fille, je n'imagine même pas comment les choses se sont arrangées de soi. Je n'en reviens pas. Cela est arrivé dramatiquement. Tu as accepté ça. Maman, s'il te plaît, je ne l'ai pas encore accepté. Je l'ai vu dans tes yeux. Non. Tu es en amour. Pas de quoi, c'est ce qu'on voulait depuis longtemps. Toi et le prince Doubem, vous allez faire un couple parfait, je suis sûre. Maman, pour l'amour des dieux, on ne sait même pas encore accepter le mariage. Mais qu'est-ce que tu attends? Ton père sera content d'entendre ça. Maman, s'il te plaît, considère ce qui est arrivé au palais. Ça ne sera pas du tout facile. Je te comprends, ma fille. Je te comprends parfaitement. Les disputes que tu as eu à avoir avec le prince Doubem n'ont rien changé. Heureusement que tu as arrivé avec lui. Comme il te l'avait dit, il est maintenant une nouvelle personne. Même son père peut accepter cela. Alors, c'est cette opportunité de devenir la prochaine reine de notre terre. Oh, voilà qui est là. Bon, princesse Adora. Bonjour, comment ça va? Votre Majesté, bonjour. Viens. Mets-toi. Merci, Votre Majesté. Sois la bienvenue dans mon palais royal. Merci, Votre Majesté. Dis-moi, comment vont tes parents? Oh, ils vont très bien. Ils vous ont envoyé leurs salutations. Oh, ça c'est bien. Ça c'est vraiment très bien. une fois de plus, sois la bienvenue. Merci, Votre Majesté. Je peux voir que vous deux apprenez à vous connaître. je pense que je dois vous laisser. Hé, hey, petit garçon, qui es-tu? Et que fais-tu ici à cette heure de la nuit? Attends, comment es-tu entré ici? Tu dois dire à tout le monde ce que tu as fait. Ta fin se rapproche. De quoi es-tu en train de parler? Tu dois dire à tout le monde ce que tu as fait. Sinon, tu n'auras plus jamais la paix. Tu as souillé tes mains avec un sang d'innocent. Tes mains sont couvertes de sang. De quoi es-tu en train de parler, petit? Allez, dégage d'ici, vite! Kenga! Mon gars, mais qu'est-ce qu'il y a? C'était juste un rêve. Quoi? Un rêve qui t'a fait crier comme ça? C'était quoi les rêves en question? Peux-tu me les dire? Je ne sais pas comment expliquer. Lève-toi. Fais le tour de la parcelle. Essaye de voir s'il y a quelque chose d'anormal. Peux-tu, s'il te plaît, donne-moi la torche, s'il te plaît. Ok, tiens. Je vais contourner la parcelle.
Non, non, ayez pitié. S'il vous plaît, les dieux de notre terre, ne me faites pas du mal, s'il vous plaît. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Aïe! Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Les dieux de notre terre, ne me tuez pas. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vais confesser devant les gens. Je vais confesser devant le roi. Je ferai tout ce que vous avez dit. Ne me tuez pas. Ah, aïe! Aïe! Oh, 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 les dieux. Oh, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Je vais confesser. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Oh, je vais confesser. Oh, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, ne me tuez pas, je vais confesser. Ne me tuez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec le grand prêtre? Je ne sais pas. Ah. Est-il devenu fou ou quoi? Tout fier, quoi. Que Dieu nous épargne. Que les grands prêtres deviennent fous. Ce n'est pas possible. Alors pourquoi est-il en train de crier comme un fou? Il y a quelque chose qui cloche, mais on le saura bien assez tôt. Mon frère, il y a certainement ça ne va pas haut. C'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Les dieux ont répondu favorablement à notre prière. Oh oui. Papa. Je suis contente de vous informer maintenant que le prince Dubem a vraiment changé. Oh, tiens donc. Et tu es en train de le dire. Oui, papa. Bien. Ils ont dit qu'ils viennent demain. Viendront-ils pour nous verser la dot? Je ne sais pas. Tout ce que je sais est qu'ils m'ont dit qu'ils vont venir demain. Oh, ok. Puisqu'ils viendront demain, je pense utiliser cette opportunité pour les inviter au festival de Ekouabara qui va se passer ce week-end. Ça sera intéressant, mon mari. Avec Ibola et Iguamalde, ça sera une grande rencontre. Tu peux le redire. Ma princesse. Ewo! Ewo! S'il vous plaît, ne me tuez pas! Ne me tuez pas! Ewo! Ewo! Ne me tuez pas! Oh, je vous supplie, s'il vous plaît! Oh! Oh, les dieux de notre terre! Ne me tuez pas! Oh, ne me tuez pas! Je suis votre serviteur! S'il vous plaît! Oh! 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 Ok, dis bien! Oh! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? Les dieux sont furieux contre moi! Ewo! Les dieux en ont après ma vie! Hey, c'est ça le problème! Quel est le problème, ok, dis bien! Quel est le problème? Igwe! 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 Les dieux sont furieux contre moi. Les dieux recommandent que Tchekoubé soit ramené immédiatement de ce village. De quel Tchekoubé es-tu en train de parler? Tchekoubé le chasseur, qui a été banni de notre terre. Les dieux demandent qu'il soit ramené au village immédiatement. Nous devons le chercher et le ramener. Réunissez tous les anciens et réunissez tous les peuples de Yamé Ozuzu. Cette erreur doit être corrigée. Car si cette erreur n'est pas corrigée, tout le village de Yamé Ozuzu deviendra un enfer. Hein? Hein? S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. S'il vous plaît, je suis votre serviteur. Hein? Oh, oh les dieux. Oh, ne me tuez pas. S'il vous plaît, je vous supplie. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Papa, on doit faire ce qu'il vient de dire. Les dieux ont parlé. Qu'est-ce que le chef prêtre essaye de faire? Je crois que ce n'est pas ce que je pense. Non, il ne peut pas m'exposer. S'il m'expose, s'il osait le faire, je lui montrerai ma face cachée. Qu'est-ce qui ne va pas avec le nom de Dieu là-dessus? Mais pourquoi ils lui ont demandé de parler de la libération de Tchoukoubé? Et c'est quoi cette erreur qui doit être corrigée qu'il est en train de dire? Hé, hey, Okidibia, tu joues avec le feu et tu dois veiller de ton retour avant que tu ne...
Tu es en train de jouer. De jouer avec le feu. Ok, Dibia. Tu joues avec le feu. Et tu dois veiller derrière toi parce qu'il sera combattu. Aujourd'hui, je réalise que la vérité ne peut être enterrée pour toujours. Igwe, je ne savais pas si vous pourriez me le pardonner. Tchekoube, écoute mon histoire. Et ne sois pas surpris de ce que tu vas entendre. Le peuple de Amozuzu. Écoutez-moi. Tchekoube est innocent de l'accusation. Bah, tu as entendu ça? Je le savais. Avez-vous entendu cet homme? De quoi parle-t-il? Ok, Dibia, de quoi tu parles? De quoi es-tu en train de parler? Igwe, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous ai menti. Et au peuple de Amonsus. Ok, Dibia. Au nom de Dieu, que veux-tu dire? Tchekoube n'avait tué personne. Oh, Jésus. C'était la reine qui m'avait demandé de faire un faux témoignage contre Tchekoube. Hein? Maman, toi, tu l'avais fait? Je savais que tu étais pour quelque chose. Oui, on avait tout planifié. Alors, ton problème est que tu ne veux pas de l'existence de Tchekoube dans notre terre? Oui. Alors, que pouvons-nous faire? Ok, Dibia. Peu importe la stratégie que tu vas monter, fais-les. Moi, je n'ai pas de problème. Juste élimine ces garçons. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'idée de le piéger. Juste comme tu viens de le dire. Et étant un chasseur, on peut utiliser cette méthode pour le piéger. Que ça ne vous déplaise, madame. Bien. Hey! Quel genre de mère es-tu? C'est quoi ça? J'ai confessé! Oui, oui! Ne me tuez pas! S'il vous plaît, ne me tuez pas! Je vous supplie! Oh les dieux! Oh, ne me tuez pas! Oh. Ah! Mon fils! Aujourd'hui, c'est un jour très, très spécial pour ta famille. Spécialement pour moi. Oui. Votre Majesté, tout est prêt. Vraiment? Et la boisson? Tout est prêt, mon roi. Mais où est le garde? Il est dehors. Oh, il est déjà là? Oui, mon roi. Dans ce cas,
Fils, nous devons déjà partir. Mon fils, allons-y. Ok, dis bien. Si ce que tu viens de nous raconter est une vérité, comment est-ce possible? Parce que l'histoire qu'on a écoutée était que l'homme qui avait tué les jeunes hommes avait donc mis le fusil de Tchekoubé juste à côté du corps. Ça veut dire qu'il s'est servi de son fusil. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il s'est passé? S'il vous plaît, Igwe, je vous dirai ce qui s'est passé. Je vais vous dire, Otimbu, s'il te plaît, confesse et dis au Igwe ce qui s'est passé. Confesse et dis-lui. Lui dire quoi? Lui dire quoi, ok, Dibia? Dis-lui, il n'y a plus rien à cacher. Je n'ai rien à dire. Dis-lui. Dis à Igwe ce qui s'est passé, s'il te plaît. De quoi es-tu en train de parler? Je vais confesser. Votre Majesté, c'est moi qui avais porté la tenue des chasses de Tchekoubé. Ça, c'est une mauvaise augure. Mon père me disait toujours que quand tu rencontres de telles choses, quand tu vas chasser, ce que le Dieu ne te sont pas favorables. Ça, c'est un mauvais signe. Oh, Tchekoubé, s'il te plaît, arrête. Tchekoubé, s'il te plaît, arrête. Tchekoubé, laissez-moi. Mon cher. Arrête, toi. Tchekoubé, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît, arrête ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mon cher, calme-toi, non? Tu veux les tuer? Hein? Cette femme est infernale. Monsieur, oh,
Tchekoubé, arrête. Laissez-moi, s'il te plaît. Tchekoubé, s'il te plaît. Tchekoubé, s'il te plaît, arrête. Tchekoubé. Arrête, s'il te plaît. Ah, mais, tu ne peux pas te calmer. Hein? Tu es méchante. Méchante. Toi, Otimpo, comment as-tu pu, Otimpo, planifier une telle trahison? Et cela sous mon toit, Otimpo. Pourquoi? Votre Majesté, ce n'était pas ma volonté de le faire. Je t'ai envoyé par la reine. Peux-tu la fermer? Tchekoubé, s'il te plaît, pardonne-moi. Igwe, les dieux disent que Tchekoubé soit permis de faire sa requête. Peu importe la requête qu'il va demander, lui sera accordé en reconnaissance des fausses accusations. Sinon, le royaume des Ameozuzu fera face à une calamité. Mon fils, s'il te plaît. S'il te plaît, reviens. Nous sommes désolés pour ce qui t'est arrivé. S'il te plaît, reviens. Car je ne savais pas que tu étais innocent. Je ne savais pas que c'était un piège. Ne me blâme pas pour quoi que ce soit. Je suis désolé. Nous sommes tous désolés, s'il te plaît, reviens. Ne me blâme pas pour quoi que ce soit. Pardonne-moi et pardonne tout le peuple des Ameozuzu. Désolé. Nous sommes profondément désolés. Nous regrettons les actions entreprises contre toi. Mais les dieux se sont prononcés. Fais ta demande, mon fils. Et cela te sera donc accordé maintenant. Je savais qu'un jour comme celui-ci allait arriver. Je savais que les dieux allaient me justifier. Vous avez dit que je devrais faire une demande. Finalement, bien. Qu'est-ce qui va alors arriver à cet homme innocent qu'on avait tué? Qu'est-ce qui va arriver à sa famille? Les dieux ont aussi parlé par rapport à ça. Igwe, les dieux ont dit que vous devez diviser votre richesse en deux et donner une partie à la famille du pauvre fermier. Ok, Dibia. T'ai-je bien suivi? Oui, c'est l'instruction venant des dieux. La famille du pauvre fermier doit être récompensée. Et Tchekoubé doit être permis de faire sa demande. Oui! Sinon, le village de Amoosusu fera face à une calamité. Toutes ces choses se sont produites juste parce que je suis tombé amoureux de la princesse. Princesse adorée. Est-ce que c'est un crime de tomber amoureux? Je sais que vous tous espérez que je fasse une grande demande. Mais je ne le ferai pas. Parce que la vengeance, c'est pour le faible.
je ne veux aucune chose de la maison royale. Je suis content du fait que l'homme qui était mort sera récompensé. Et quant au mariage, j'ai décidé d'épouser cette femme qui a plaidé ma cause. La femme qui m'a montré l'amour quand vous tous m'aviez rejeté. Une vraie femme vertueuse. Elle n'est personne d'autre que Chika. Chikube. Non. Garde, prenez-la, prenez-la. Je pense qu'il y a des petits problèmes. Mais tout ira bien. Ok? Mon secret. Otimbo. Tu es de ce fait banni du royaume d'Ameos. Sors d'ici. Thank you.